Cyriel, qu'on a fait mardi. On avait aussi le book, toujours pas de nom, qu'on a ici. Et du coup, aujourd'hui, on va faire l'or. Et mardi prochain, on fera Unji. Donc, l'or. L'or, c'est un chat. Mais quel type de chat? Moi, j'ai envie de prendre un chat un peu particulier. Quand même. Est-ce que je vais taper juste chat? Ouais, je tape juste chat. Trop mignon, les chats. Déjà, quelle couleur pour l'or? Elle est quelle couleur dans le chat? Elle est rose? Elle est... Bon, c'est pas vraiment rose. Je sais pas ce que c'est. Couleur de vin? Non, je sais pas. Quel chat on va prendre? Un noir et blanc? Ouf. Non, il y a déjà... Il y a déjà Si qui est en noir et blanc. Merde. J'ai eu une petite déco, apparemment. Ouais, je sais pas si c'est revenu. Il y a eu une déconnexion, je pense. Du coup, je disais, ouais, on va faire le chat de Laure. Enfin, Laure. Le personnage de Laure qui sera un chat. Et je sais pas quel type de chat faire. Je sais pas trop quelle couleur. Ce que je peux faire, c'est commencer par la forme et après faire et après choisir. Est-ce que je suis de retour chez vous? J'espère que oui. Normalement, c'est bon. Il n'y a eu aucune déco de notre côté. Ah ok, bon, bah c'est juste chez moi. Je vais voir. Je vais commencer par la forme et puis après je verrai comment... Ce que je fais comme chat. Pour l'or. Mince. Pardon, j'étais plus là. Ah, mais y a pas de souci. Hein. t'es pas otage. On va commencer ton chat. Enfin, ton personnage. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Bah, tiens, peut-être que tu peux nous aider à choisir. Je sais pas trop quoi faire comme type de chat. Est-ce que je fais un rayé? Si possible, pas blanc et noir. Oui, c'est pour ça que je reviens. Ok, tu veux voir ton personnage. Est-ce que je le fais blanc et noir? Est-ce que je le fais de cette couleur-là particulière? Je sais même pas ce que c'est comme couleur, vraiment. Marron-gris, quoi. Est-ce que... Bah, peut-être que t'as un chat, en fait, toi, alors. J'en sais rien, en fait. Si t'as une préférence, n'hésite pas à me le dire. Est-ce que tout gris, comme ça, sinon? Ou coloré? Bah, c'est toi qui vois, mais si jamais j'ai un chat qui est noir et marron tigré. Genre comme ça. Le truc le plus classique du monde, quoi. Ouais, ok. J'aime bien les chats tout gris. Ah, donc t'aimes pas ton chat, quoi. Dur. En vrai, je me dis un chat tout gris... En même temps... Ou moi, je verrais bien un chat comme ça, en fait. Peut-être un chat... mince, tu vois pas. J'aime mon chat plus que tout au monde. Non, mais je rigole. Hein. Quand je dis que tu l'aimes pas. Un chat comme ça. Ça peut être pas mal, non? C'est toi qui choisis au final. Je crois que je suis chaud de faire ça. Je vais faire lui. Avec une tache sur le visage. Ah oui, classe. Ouais, voilà, t'auras un personnage classe. Alors, on va supprimer le visage de la grenouille, pas de lissage, évidemment, tac, tac, tac. Décidément, j'ai que des persos classes. Pourquoi? T'as des persos classes ailleurs? Ah, peut-être sur le truc de Fort Jacob? T'es une chevalière ou quoi? Une gueuse. Était. Ah, t'étais chevalière, tu l'es plus.
Difficile. On dit pas chevalière. Mais j'ai oublié comment on dit. Désolé. Ah oui, parle au passé. Comme moi. C'est fou ça en fait qui vous retire vos titres. Vous trouvez ça normal vous? Vous avez jamais eu envie de vous révolter contre ce système? Vous organisez une révolution chez Forlacom. Moi je suis le chien du roi. J'ai rien à perdre. Elle me semble pas mal cette couleur. J'ai fait un peu au pif, mais je crois que c'est cool. Et comment vous perdez, comment vous avez perdu votre titre? Était le chien du roi. Ah bon, pourquoi j'étais? Je suis plus. C'est fini? C'est fini cette période? Il nous a dépouillés. Juste comme ça, par envie, quoi. En même temps, ça m'étonne qu'à moitié, mais. Tu fomentes une rébellion, grand fou. Non, 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 on discute. J'ai cru que t'étais plus là. On a perdu contre un gueux. Ah, ok. Ah, c'est ça, en fait, les joutes. Vous jouez contre un gueux à la bagarre, là, et s'il gagne, il prend votre place. C'est ça? J'ai jamais compris, en fait, moi. Je vous avoue un truc. J'ai essayé de jouer une fois. Ça marchait pas du tout sur mon téléphone. Et après, du coup, j'ai jamais refait. Putain, mais vraiment, il vient de comprendre. Bah oui, j'ai jamais vu. Savais pas. Je savais pas que c'était pour ça. Il nous a enlevé notre armure, brûlé nos baraques, tué nos enfants. Pas sympa. Comment peut-on appeler ça un ami? Bah, désolé, mais ça marchait pas sur mon ordi. Et puis, je sais pas quand tu les fais, en fait, les joutes. Surtout que je peux pas y participer, moi. C'est quand tes joutes, tes fameuses bagarres, là? Hein? C'est facile hein, de critiquer, de triquiter là. Je vais enlever toutes les fringues là parce que je me suis trompé de calque. J'ai fait sur le même calque que les habits, ça va pas être très pratique. Donc je vais recommencer. Hop. Ah, ah, ce n'est pas bon. Voilà. Ouh. Ici, voilà, c'est bon. Comme ça, on a les habits et le chat sur deux calques différents. Ça sera bien plus pratique. Hop. C'est vraiment un tyran en fait, hein. Il vous a dépouillé de tous vos biens. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup des chevaliers. Ou peut-être que je les vois jamais. Enfin, il y a Biche. Biche crépusculaire, là. Et c'est tout. Non. Et les autres, je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est parce que je les vois pas. Oula. Oh non. J'ai refait de la merde, là. Et oui, évidemment. Évidemment que j'ai recommencé. Voilà, c'est ici qu'il faut que je dessine, pas ailleurs. Bon, c'est pas grave, j'ai fait de cette couleur. Ah, si ça va être grave, ça va être chiant. Hop. Alors, les oreilles pointues. On va te faire. En fait, l'ombre, elle est un peu forte là. Elle est un peu trop prononcée. Je vais l'affaiblir un petit peu. Voilà. Bah yes, super ça. Merci. Voilà, ça me semble mieux. Est un peu tendue. Comme ça. Ensuite, je vais prendre une couleur, donc le même, mais en plus foncé. Un truc un peu plus marron pour les oreilles.
pour l'intérieur des oreilles. Où est-ce que je fais toutes les oreilles de la couleur? On voit pas bien avec ce fond. Je vais changer la couleur du fond. Je vais mettre un gris. Parce que comme le chat est blanc, voilà, là on verra mieux. Sinon, on se rendait pas bien compte. Peut-être comme ça. Aïe aïe. Voilà. Hop. Je vais peut-être faire la tête un peu plus carrée. Oh non, remarque. Et là, on va faire un truc. Voilà, un espèce d'entre-deux bizarre. Où on va faire le visage. Alors peut-être que ça va faire bizarre et qu'on va pas garder cette idée, hein. On va prendre ça et on va lui faire un petit museau. Oh, quoique, ça peut le faire, hein. Ça pourrait le faire. Hop, je vais copier ses yeux parce que ils sont trop chiants à faire. Voilà. Et bah, je vais lui faire un sourire aussi quand même. Je suis sûr que Laure elle sourit. Un petit sourire. Tête, ça fait une tête bizarre, non? J'ai l'impression que tes yeux sont trop écartés. Tu connais l'expression resting bitch face? Non, je connais pas, c'est quoi? Je connais pas du tout. C'est les meufs qui sourient pas en gros. Ah ok, non, je savais pas que ça existait ce truc. Bah, tu sais, je suis un boomer, moi, attention. Aïe aïe aïe. Compliqué, compliqué, compliqué. Alors, c'est sur ce calcul-là qu'il faut faire. Secours. Mais je vais pas faire que des méchants quand même dans mon jeu. Toi, tu peux pas être méchante en plus, Laure. Ça va pas. On dirait plus un chat là, on dirait un genre de raton laveur ou de truc. Je vais changer la couleur des yeux, c'est peut-être ça qui me perturbe. Je sais pas si t'as les yeux bleus. Mais je vais essayer de les faire bleus. En vrai, c'est juste qu'on a des visages au repos. On se force pas à sourire, mais du coup, ça fait de nous des meufs pas très féminines, tu comprends? J'explique ça tellement à la merde. Je crois que j'ai compris. Je crois avoir compris. Je suis pas tout à fait sûr, mais je crois. C'est quand ton visage, quand tu fais pas l'effort de faire un sourire, et que du coup t'es blasé, quoi. Et non, j'ai pas les yeux bleus. Si, si, t'as les yeux bleus, regarde bien. T'as les yeux marrons? Je peux les faire marrons si tu veux. Ça me gêne pas. Ok, j'ai les yeux bleus. Non, mais comme tu veux. Parce que là, je copie le dessin, en fait, mais... Faudrait pas faire le petit trait sous le nez. Ah ouais, peut-être. Je vais essayer. Je m'en fous, fais ce que tu veux. Ok, pas la peine de me taper l'embrouille comme Fort Jacob, là, hein. Attention, hein. T'as dit que tu serais sympa.
Déjà là, c'est un peu mieux. Et t'as raison, je pense, Onji. Ah, quoique, on va voir, attends. Je vais voir ça. Non mais attends, tu me dis que c'est mon perso, mais c'est pas mon perso, je comprends plus rien là, vas-y. Si, si, ouais, c'est ton perso. Ah bah voilà. Là, t'es une... Fort Jacob a banni de l'or pendant une seconde. Il est réactif, hein. C'est incroyable, c'est mon seul modérateur, du coup il peut faire régner l'ordre comme il l'entend. Et là on dirait que tu fais la gueule un peu. Dirais pas l'or là. Un méchant. Mais qu'elle est mignonne! Je bosse en même temps. Ouais, non, mais pas de soucis. Moi, c'est ce que je fais aussi quand je suis sur vos lives. Hein, donc, je comprends le. Je comprends. Il n'y a aucun problème. Bon, en vrai, je souris non-stop depuis 10 minutes là. Donc, vas-y, mère sourire. Ok. Je vais. Ah, je vais essayer. Mais ton nez, il fait pas tellement mignon, je trouve. Il fait un peu patate là. On va voir. On va essayer de le refaire. De le faire plus mignon. Est-ce que je le fais rond? Je veux des petites figurines type Sylvanion avec tes persos. Tu sais que. C'est trop marrant que tu dises ça parce que j'avais un prof de BD qui m'avait dit que mes personnages et mes habitations, les trucs que je dessinais, quoi, c'était vraiment des petites maisons de Sylvanion, de Sylvanion, je sais pas comment on dit. Et que je faisais trop des trucs mignons avec plein de choses dedans et tout. Et bon, il avait pas tort, hein, mais. On a envie de les faire en pâte à modeler. Je pourrais essayer, hein. J'ai déjà fait des trucs. Des petites sculptures de personnages. C'est vrai que je pourrais essayer de les faire. Ah, j'arrive pas à faire. À faire une bonne bouche, qu'est-ce qui se passe? Elle est horrible. Ah non. Honnêtement, c'est le jouet le plus mignon, même si on dirait des petits mormons. Mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu flippant dans ce truc, mais. Mais en fait, c'est. Ils ont des petits enfants, des petits jouets, des petits trucs à cuisiner et tout, et c'est vrai que c'est vraiment trop mignon. Bon. Est-ce que là, on est sur l'or? Au secours. J'ai des pierres reptiliens. Exactement. C'est peut-être mieux en marron, hein, t'as raison. Le bleu, j'ai l'impression qu'on le voit pas trop. C'est pas ouf. Est-ce que tu fais vraiment chat là? Bof, hein. Bof, bof, quand même. Elle regarde dans nos âmes. Voilà ce qui manquait. Oh. Non mais là par contre c'est triché là. Est-ce que t'as le personnage le plus mignon maintenant du coup? J'en ai acheté pour ma petite nièce de 4 ans, mon neveu de 6 ans était en PLS de mignonneté, et mon frère en PLS que son fils aime ça, parce que c'est pas un truc de bonhomme. Je l'ai calmé si fort, si vite. Trop, trop bien, trop bonne idée. On dirait une petite souris. Ah, c'est vrai. Peut-être elles sont trop longues. Je me retiens depuis 10 minutes de dire qu'on dirait pas un chat. Pff, ça m'étonne pas du tout de toi. Ça m'étonne pas du tout. Mais je crois qu'en fait, le problème, c'est cette espèce de tache là. Voilà.
Faut inverser la partie marron au centre. Oui, non, mais je crois qu'il faut, il fallait juste l'enlever. Mais j'ai pas envie de te faire un gros nez. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça plus mignon, le petit. Voilà, là, c'est assez plat, là. Pff, ça va pas du tout. T'as l'air un peu bouffi, c'est marrant. Du coup, sans le... Coucou Boréal, ça va? On fait le personnage de l'or. Enfin, inspiré de l'or. Vraiment, c'est les impôts, taxes et autres factures d'adultes qui me retiennent d'acheter toute la gamme. Et d'en faire une collection. Mais fais juste un trait, non? Un trait pour le nez, genre? Attends. Genre comme ça. Ah, ça peut être pas mal. Attends. Comme ça peut être pas mal, sinon. Là, on dirait un truc tout rond comme Mickey. Qu'est-ce qu'il raconte? Mickey, qu'est-ce qu'il... T'as déjà vu Mickey? Mickey, c'est ça, hein, Mickey. Hein. Rien à voir. Hein. Juste un triangle à l'envers. Oh, un petit plaisir une fois dans le nez, on dit pas non. Quoi? J'ai rien compris. Ah, tu parlais assis. Ah oui, sur pour le fait d'acheter les trucs. Il est ultra bête. Fais attention, c'est toi que je vais bannir, hein, pour Jacob. Aujourd'hui, t'es pas gentil. Je te le dis en tant qu'ami. Mais fais-toi plaise. Pff, il est fatigant ce garçon. Alors. C'est toi qui prends tout mal. N'importe quoi. J'aimais bien le motif de pelage d'avant. Ouais, peut-être que c'était un peu fort en fait. Je vais réessayer de faire un truc en moins présent. Ah mais il est encore là en fait. Et oui. Je vais essayer de le faire réapparaître. Alors. Ah, c'est parce que je suis pas sur le bon calque. Alors du coup, mais quelqu'un c'est le Dalai Lama. Quoi? Se calme. Ah, ça ne m'atteint pas. Je resterai calme. ouais, mais je pense qu'en fait c'est trop fort ce motif. Je vais essayer de le modifier en plus chill. En moins visible. Hop. Là c'est carrément, on voit pas du tout. Donc il y a peut-être un entre deux. Inverse-le sinon pour voir. Ah, partie large vers le haut. Ouais, je vais essayer ça. Juste, il faut que je vais fusionner mes calques parce que... secours. C'est sur celui-là, je crois. Non, encore une fois, raté. Là aussi, raté. Ah, forcément. Alors, ça, je vais le bouger et puis je vais faire sur un autre calque. Parce que je suis perdu dans tous les calques que j'ai. Avec le peignoir, on dirait un chat prof de judo. Mais c'est pas un peignoir, c'est un kimono. N'importe quoi. Toc, je vais supprimer. Je voulais dire kimono en plus.
Le peignoir, c'est que Léo qui en a un. Au secours. C'est vrai que le judo en peignoir, ça marche bien. J'ai jamais fait judo en peignoir, mais c'est pas tout à fait pour. Alors, voilà, on va essayer de mettre ça du coup. Bon, ça va peut-être être un peu dégueu, on va voir. Décidément, décidément, là je galère. Là, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, genre. Alors, je vais voilà, le mettre sur un calque à part. Qui nous fout de la paix. Hop. Ici. Voilà. Tu trouves ça mieux comme ça? Peut-être que c'est mieux comme ça. Ouais, je me rends pas trop compte. Ah, c'est pas mal, hein. Bon, il a une forme bizarre. Il faut que je le refasse. Que je le refasse peut-être un peu mieux. Oups. C'est peut-être mieux comme ça, ouais. Je vais le foncer un peu. Encore qu'on le voit quand même. Je sais pas, je sais plus. Mais moi non plus, ça y est. Comme ça ou comme ça? Oh, en même temps, comme ça, c'est pas mal aussi. On va y arriver, on va y arriver. J'en suis sûr. Alors. Déjà, voilà, qu'on n'ait plus de problème. Alors, attends. Je crois que je préfère avant. Alors, comme le... Alors, attendez. Parce que là, on va pas se comprendre. Comme ça ou comme ça. Un ou deux. Oups. Je trouve ça pas mal comme ça en fait. Ça fait comme si t'avais des joues. Le 1. Ok. Donc actuellement. Moi je pense que je préfère comme ça aussi. J'ai l'impression que t'as des petites joues et tout. C'est marrant. Go comme ça alors. Bon. Bon, bah allez, on garde ça. Hop. Et de toute façon, c'est un chat, ce sera forcément bien. Est-ce que je te fais des petits cils? Non, hein, déjà hier, j'avais essayé et ça passait bof, mais... Je sais pas. Dites-moi si c'est de la merde, les petits cils. Je les enlèverai sur ordre. Il faudra une tortue de compagnie pour l'or. Je sais pas si je vais faire ça. J'aime bien. Ok, bon bah s'il valide, c'est bon. Hop. Trop mignonne. Trop mignon là. On y est là. Pour les habits, qu'est-ce que je vais faire comme fringue? Compliqué. Déjà, quel caractère? L'or, qu'est-ce qu'il a défini? Ça donne un air un peu méchant de loin, je trouve, perso. Genre français? Ça, c'est méchant. Mais j'en peux plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'en peux plus? L'or, la castagne, c'est vrai? Je mets l'or, la bagarre, genre. C'est vrai que elle s'est fritée dans Minecraft, à ce qui paraît. Il y a eu des aventures incroyables. Ça peut être marrant qu'elle ait un caractère de castagne. Si, si, l'or, tu minimises tes exploits.
Ça sera son. Alors que je suis la médiatrice en vrai. Ouais. Je mets gentille ou pas? Est-ce que tu trouves ça blessant si je mets gentille? Ou est-ce que ça te va? On va être deux à vouloir tout casser. Non mais c'est vrai que là, ce sera pas de la même manière. Non, non. Ok. Bon bah je vais mettre gentille et castagne. C'est suffisant, je pense, deux traits de caractère. Mais elle, elle sera pas en mode méchante, elle sera là en mode. Je sais pas si vous voyez, déterminée dans ce qu'elle fait en fait. C'est plus ça. Un chat, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'elle sera de caractère. Bah, plutôt que castagne, je vais mettre déter. Peut-être plutôt déter. Parce que castagne, c'est vrai que ça fait bagarre. Et on a déjà Si qui veut se taper avec tout le monde. Qu'est-ce que je voulais mettre? Déter. Déter. Voilà, pas mal, non? Alors, les habits. Qu'est-ce que je peux faire? Oups, j'ai cliqué sur un truc. Qu'est-ce que je peux faire pour caractériser? Où ils sont déjà? Ici. Comme couleur, là, les couleurs, on est trop proche. On est trop proche de la couleur du pelage. Je trouve ça pas fou. Ça serait mieux d'avoir un truc qui diffère un petit peu quand même. Mais t'auras une queue, hein, mais je la rajouterai après en fait. Les habits rouges foncés. Bon bah on a carrément une commande. Allez, on va voir. On va voir si. Si j'ai déjà mis du rouge foncé quelque part, je peux essayer d'en reprendre. Joueur. Non mais je t'aide si besoin. Après, tu fais bien ce que tu veux. Oui, non, mais c'était pas péjoratif une commande. C'était. Oui, c'est vrai que ça pouvait sonner pas très agréable, mais non, t'inquiète. Justement, c'est très bien. Celui-là, il est un peu trop cramoisi. Je pense que je vais l'adoucir après. Non, parce qu'après, je vais devoir payer le dessin et tout. N'importe quoi. J'essaye déjà avec ça, hein. Pas de panique. Après, je modifierai. Pas mal le rouge, hein. Mais j'ai peut-être un peu plus. Ce serait mieux un petit peu plus framboise, non? Pas beaucoup, hein, mais genre comme ça, peut-être plus. Je pense que ça sera un peu mieux. J'adore le rouge framboise. C'est beau, c'est canon ces couleurs. Ah bon, bah, si ça vous plaît. Qu'est-ce qu'il en pense, Forjacob? C'est de la merde. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est pas du rouge. Non, on s'en fout. Je rigole. Hein. Bon, par contre, est-ce que je te mets un kimono comme ça? Ah bah tiens, j'ai colorié la grenouille aussi. Quel type de découpe? Mais là, chez moi, non. Ça se retourne. Ça se retourne maintenant. D'accord. Plus de mauvaises blagues. Plus de mauvais goût. On vit dans la paix et l'harmonie. Je cherche un kimono. J'évite de taper kimono en vous montrant parce que souvent c'est des kimonos transparents, je ne sais pas pourquoi. Pour Google, le kimono égale être à poil. Donc je sais pas pourquoi. Est-ce que je te mets un truc classe? Ça pourrait être marrant que tu sois le personnage un peu. Quoique, c'est peut-être Cyrielle plutôt. Ah, vous voyez quand même. Yes. J'ai bien caché, c'est cool. Alors. C'est quoi l'animal de scie déjà? C'est une. Hop. C'est. Ah mince, je suis dessus en fait. Oups. C'est ça.
une noix. Enfin, c'est le terme, c'est bernache du Canada. C'est ça, du coup. Moi, je verrais bien un kimono long avec une peut-être une ceinture épaisse. Je vais essayer. Je vais essayer. On va voir. Donc, on va reprendre cette couleur-là. En plus, ça me permet d'utiliser la même couleur. Oups. J'ai dit mon secret. Et une ceinture plus épaisse. Ah, quelle couleur la ceinture? Je vais regarder kimono rouge. Et puis, je vais recopier. Oula, heureusement que vous n'avez pas l'image. Alors, kimono rouge égale torride, apparemment. Noir ou bleu foncé, peut-être. Bleu foncé. Ah, ou sinon, cette couleur-là. Un genre de pas vraiment noir. Pas du tout noir, même d'ailleurs. Ouais, bof. On n'y est pas. On n'y est pas vraiment. Un bleu foncé. Ça peut être pas mal, bleu foncé. Je vais toc élargir un peu. Ah, je sais pas si je suis convaincu par ce bleu au final. Je vais essayer de mettre une différence. Oula. Je suis parti de travers. Non, c'est pas terrible. Ah, secours, je reviens toujours là-dessus. Un truc peut-être plus gris comme ça. Noir, c'est pas mal. J'essaye gris foncé et après noir. Pff, ouais, non, il est encore trop marron. Hein. Allez, let's go pour le noir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, il a pris cher, je pense. Et du coup. Elle est si mimi. J'espère qu'elle est mimi. Pas mal, non? Pardon. Pardon, on voulait pas être méchant. On a été trop. Trop d'acharnement. Est-ce que je mets un motif? Ça pourrait être cool d'avoir un motif sur ce kimono. Je sais pas moi, genre des petits points ou. On va voir. Pour donner un petit peu de caractère quoi. Hop. Oups. Les petits points, bof. Des tortues. Alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué à faire. Laissez-moi juste profiter du live, quoi. Oui, non, mais désolé. C'est vrai que. Laissez-moi, Lucas, on te laisse tranquille. Les petits points, pas dingue. Pas horrible, mais pas dingue. Est-ce que je les ferais pas plus clair, genre des fleurs? C'est pas mal ça, non?
On sait pas trop si c'est des fleurs ou des nuages, mais on imagine quoi. J'essaye de dompter Clip Studio Paint et j'en chie. Ah, c'est pas le truc sur tablette ça? Mais tu dessines à la tablette? Quelle folie. C'est joli. Ah bah alors si ça te plaît, ça va. Ça fait pas trop fifi. J'ai un peu peur que ça soit mal pris. Mais si t'aimes bien, ça va. La ceinture rose clair, ça fait quoi? Attends, je vais changer après. Ah oui, c'est vrai, ça fait fifi, mais je m'en fous. Ok, moi aussi je m'en fous. Je trouve ça juste mignon en fait. Ah moi j'aime bien, je trouve ça cool. Alors la ceinture t'as dit quoi? Rose clair la ceinture, ouais. Ouais peut-être. Peut-être un truc très clair. Je veux le même peignoir. Imagine, tu vois. Tu vas tout trimballer avec le truc en satin fleuri là. Sur Cintiq, oui aussi, mais ce logiciel est dingue. Il regroupe Photoshop, Illustrator, InDesign et même de la 3D. Ce logiciel est plus intelligent que moi. Ah, mais du coup, c'est trop compliqué, non? Ah, peut-être que rose clair, on a quelque chose d'un peu différent. Je vais peut-être essayer de tendre un peu plus vers le blanc et d'aller. Ah, c'est peut-être trop costaud là. Peut-être un peu moins clair. J'utilise un Cintiq aussi, KK Production qui est de retour. Moi j'en ai jamais utilisé de Cintiq. Mais tu dessines KK Production? N'hésite pas à envoyer ton lien Instagram dans le chat. Je serais curieux de voir. Je regarderai pas tout de suite en live, je regarderai tranquille, mais si tu peux envoyer le live, le lien, pour voir ce que tu fais, pourquoi pas. Bah c'est comme Photoshop, je vais utiliser 2% du logiciel, c'est comme utiliser un smartphone juste pour juste envoyer un SMS. Ouais, je comprends. Putain, je suis à la souris depuis que mon ordi a pété son câble, c'est un enfer. Oh. C'est la souris. À un moment, Fort Jacob, il faisait toutes ses colorisations à la souris. C'était tard à l'époque. Il reconnaît plus la Cintiq. Moi, j'ai pas de Cintiq. C'est marrant. Moi, j'utilise la bonne vieille, la bambou des familles, qui a 14 ans. Pas mal, non? C'est de la bonne, ça. Moi, je vous le dis. C'est increvable, ce truc. Enfin, j'ai bien cru qu'elle allait me claquer. Bah team pas d'argent pour une tablette. Oui, mais c'était il y a un moment. Moi on me l'a offert à Noël, hein. C'est très bien aussi. Je t'imagine ouvrir au livreur en peignoir à fleurs en mode quoi? hop. Bon bah voilà, hein, je pense que c'est pas mal là. Ça te va cette couleur de ceinture? Je pense que c'est mieux qu'en noir. En noir, si tu faisais un peu plus et aussi un peu moins quand même quoi. Yes, c'est parfait. En vrai, il me faudrait un peignoir printanier en plus. Celui-ci passerait crème. Eh, parce que tu vas avoir trop chaud avec celui-là. Je suis assez content, il est pas mal ce petit chat. Et si ça te plaît, tant mieux. Bon, maintenant, faut lui trouver un nom. Je te laisse cogiter. Yep, il y a souvent des grosses ristournes pendant le Satan Black Friday, sinon peut-être sur Back Market. Ouais, le Satan Black Friday, on s'est bien fait avoir par ces salauds de libéralistes. Eh oui, on tombe tous.
tous dans les mêmes pièges. Alors regarde mon pseudo et tu vas comprendre que j'ai zéro imagination pour trouver un nom. Ok, pas de soucis. Peut-être qu'il y en a qui ont des idées pour ce petit chat. Parce que lore, je sais pas si ça va bien rentrer dans le lore. Trop marrant. Première fois qu'on l'a fait, celle-là en plus. Je sais pas s'il y a des idées. En attendant, je vais faire la pause de profil. Eruel. Ça fait breton, je trouve. Je sais pas pourquoi. Je la vois bien s'appeler Max. Allez. T'avais pas noté des prénoms de base pour tes persos, toi? Moi? Ah non, non. Mais en fait, ça, c'est des persos que je rajoute. Ils étaient pas prévus dans le menu. Mais je me suis dit que ça pouvait être marrant de vous faire en personnage dans le jeu, ceux qui suivent le live. Donc non, j'avais pas du tout prévu. J'aime trop Max pour les filles. Mais je savais même pas que ça existait. Et Max, ça me va en vrai. Ok, non mais. Moi je sais pas, ça me fait bizarre, j'avoue. J'avoue, ça me fait bizarre. Il faut que j'ouvre le petit singe. Le petit singe. Parce que il a la queue. NPC, singe, l'orang-outan. J'ai rien à proposer. Mais il n'y a pas de souci, hein. C'est pas grave. T'inquiète. Pas de pression, pas de pression. Liv. Marie. Marie, c'est un peu classique, quoi. Liv, c'est quoi Liv? C'est un prénom Liv? Comme Lys. Lys ou Liv? Je comprends rien. Tu galères pas qu'avec la syntaxe là, hein? Il y a des galères de clavier là, je reconnais ça. Hein. Liv. Bah Liv, écoute, pourquoi pas? Est-ce que je vais regarder qui s'appelle Liv? Nia nia nia, je rigole, je rigole. Liv. Alors. C'est des influenceuses. Liv Cycling, ah non, c'est pas elle ce que tu mets. Scrombic. Stromquist, c'est ça? C'est une dessinatrice? Auteure suédoise de bande dessinée. Peut-être que j'ai pas. C'est pas la bonne. Liv Kim. Kim, pourquoi pas? Là, je sais pas l'écrire en plus. Mia. Ah, Mia. Mia, je ferais sûrement un personnage qui s'appelle Mia. Mais pas ce personnage-là, je pense. Une autrice BD féministe ultra cool. Ok. Mia, ça fait miaou. Ah, c'est vrai ça. Alors attendez, je note. Liv. Oula. On est sur le pinceau le plus sec qui existe. Alors, on avait Liv. Qu'est-ce qui m'a pris? Je me suis laissé aller sur le V là. Alors, Kim. Kim, moi, ça me fait penser à Kim Possible. Je sais pas pourquoi. Liv, Mia. Non, je crois que c'est tout ce qu'on a dit. Mia, ça fait miaou. T'as vu pour Bambou? Bambou, comment ça? Quelqu'un a proposé Bambou? Non, j'ai l'impression que là je comprends rien. Marie, ouais, j'avais dit que c'était, que je trouvais ça trop classique, ça fait trop. Je sais pas comment dire. Ouais, classique. Siam pour Siamois. Je note. Mon chat s'appelle Bambou. C'est tout ce que j'avais à proposer. J'ai aucune objectivité sur ce nom, donc c'est peut-être nul à chier. Non, ça va, mais je trouve que ça fait nom d'animal. Et je préférais donner un nom qui pourrait s'apparenter à un humain, comme ils sont un peu humanisés, les personnages. Je vais pas l'appeler Cookie, quoi. Tu vois?
ou chaussettes ou un truc comme ça. Ava. Ava, c'est pas un prénom russe ça, Ava? C'est assez joli, Ava, j'aime bien. Ou Croquette, voilà, Croquette. J'ai proposé que des prénoms à trois lettres. Ouais, c'est marrant, il y a beaucoup de prénoms à trois lettres là. Siam qui se détache du lot. Bambou, c'est un prénom d'humain. Je sais pas s'il y a énormément d'humains qui s'appellent Bambou. J'ai très envie de piquer Anna, mais ce serait abusé. Eh ben écoute, pourquoi pas, hein? Oui, c'est vrai, Boréal. Je marque Anna. Mais en plus, c'est toi qui as dit que si t'avais une fille, tu l'appellerais Anna. C'est ça? Ou c'est Boréal? Je me souviens plus. Non, je crois que c'est Laure, hein. Oui. Eh ben écoute, on a qu'à t'appeler Anna, et puis voilà, ça sera comme ta fille, en fait. Problème résolu. Et en plus, c'est toi qui as trouvé. Voilà, jackpot. Jackpot, mon pote. Pas de panique, je garde les autres noms en réserve pour les autres personnages, notamment Liv, que j'aime bien. Mia aussi, je pense que je vais le garder. Kim, je suis un peu moins fan, faut voir, peut-être que ça ira pour un personnage. Ava, je trouve ça assez joli, faut voir aussi quel type de personnage aussi. Mais bon, on a Anna, comme ça. Et en plus, peut-être que ma sœur sera contente d'avoir un personnage chat qui porte son prénom. Si jamais elle voit le jeu. Toc. Voilà la petite queue du chat. Par contre, il faut que ça soit de la bonne couleur. Pas mal, non? Je suis content. Il me plaît ce personnage. Il est mignon, un peu coquet. Déter et gentil, quoi. Agrandir ce truc là pour faire les autres positions. Il est quelle heure là? 18h30. Ok. On a encore un petit peu de temps pour travailler avant d'aller sur Minecrafté. Visiter des maisons. Alors, oh, je suis perdu. Perdu. Au secours. Ah. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Là, c'est bon, là. Voilà. Alors, donc je vais prendre le petit singe. Je vais copier. Non, pour le dos, ça devrait aller. C'est pour le profil que ça va être pas mal. Hop. De l'avoir. Oh là là, les animaux ils sont tellement mignons. C'est incroyable, hein. Ici, on fait la même couleur. C'est plus un genre de. C'est pas vraiment une robe, mais. Un genre, quoi. J'espère qu'il y aura des goodies de ton jeu. Oula! Bah, si je l'ai fait, oui, mais. Mais sinon, il y a très, 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 très peu de chance quand même. Mais, genre quoi comme goodies? Je pourrais essayer d'en faire, hein. Je vais faire un live pâte à sel, après le live musique. C'est vrai que je pourrais faire ça en fait. Ça pourrait être marrant. De faire des petites sculptures des personnages. Est-ce qu'on serait pas sur un nouveau concept lancé par Boreales? Non, juste Boréal. Désolé le singe, on te coupe la tête. Ciao. Ciao mon pote. Hop. Ouais, genre, je
Ouais, pourquoi pas faire des goodies, ça peut être drôle. Il me faudrait un nouveau porte-clés pour le boulot. Ouais, mais un porte-clés en quoi, genre? C'est un peu compliqué. Ok, là c'est là que ça doit descendre plus bas, c'est ça. Toc. Mais c'est vrai que je pourrais faire ça me donne l'idée là, Boréal, mais je pourrais faire un live pâte à sel si ça vous dit. Des petits persos en papier machin là que tu mets au four, truc magique là. Ah oui, je pourrais totalement faire ça, c'est vrai. Ça pourrait être marrant. Putain, la vieille qui trouve plus ses mots. Ouais, le papier, papier magique là, ouais. Ouais, je vois. Ah oui, plastique fou. Oui, voilà, le plastique fou, c'est ça. Non, mais ce nom en même temps. Ça c'est un peu un truc de maman, c'est marrant. Je disais ça pour rigoler au départ, mais en vrai, ce serait cool. Bah ouais, mais pourquoi pas? Moi, ça me chaufferait bien. À voir, parce que ça veut dire que. Enfin, j'ai qu'une cam, donc il y aurait celle-là. Il faut que je trouve un moyen de la faire tenir vue du dessus pour qu'on voit ce que je bricole avec les mains. C'est pas encore tout gagné, ça. À voir, à voir. Mais ça peut être intéressant. Pas pour tout de suite, pour le futur de la chaîne. Et comme ça, je pourrais ouvrir ma chaîne de loisirs créatifs et travaux manuels. Incroyable. Je devais devenir riche. En me faisant de l'argent sur le dos des enfants. Hop. T'as une grosse tête. T'as une grosse tête, Laure. C'est un truc que je voulais te dire. Laure qui est en rage. Ah! Comment une grosse tête? J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça, voilà. Hop. Ok, et je pense qu'avec les oreilles, en fait, ça ira. Anna Trump. Ouais, je t'aurais fait plutôt comme ça, du coup. Je vais te faire un petit museau quand même, vu que t'es supposé être un chat. On va essayer de respecter un minimum le truc. Même si le but du jeu c'est d'être mignon. Comme ça genre. Oh là là, j'ai l'impression que ça va faire bizarre. On va voir. La citrouille, c'est exactement ça. Laure la citrouille. Le bas et le haut de la bouche. Ah, sinon, je peux le faire encore mieux. Plus arnaque que ça. Hop. Ici. Hop. Voilà. Comme ça qu'on fait les enfants. Copier-coller. Aussi simple que ça. Et là, bah, il lui faut un œil. Bah, je vais faire la même chose. J'aurais dû le copier l'œil avec. Ah, j'ai l'impression que ça te fait une tête bizarre ce museau là. Je ne te reconnais plus, Laure. Ici, toc. Ah, je vais prendre lui. Lui. Oh, ça serait bien que j'ai le cil avec. Non.
Je vais devoir fusionner les deux calques. Oh yeah. Le visage des enfers, le masque. Il faut que je prenne la forme de la tête. J'ai un nombre de calques. Je fais jamais ça d'habitude. Alors, l'intervertie. Paf, et voilà. Incroyable, n'est-ce pas? Oh, pourquoi il n'y a plus de bouche? Oui, la bouche, voilà. Ouais, cette bouille. Ça va au final, avec la petite forme du museau. J'ai envie de m'adopter. C'est l'effet que je voulais que ça fasse. Adopter l'or. Hop. Je mets où? À peu près par là, quoi. En dessous des yeux. Et il faut que je fasse les oreilles. Jusqu'où elles vont? Jusque là. Et ici. Eh oui, je suis allé. Quoi? Mais ça va super bas en fait. J'ai pas vu jusque là moi. Je vais tricher tout ce que je peux. Alors. Je vais essayer d'aller en bas, mais faut pas déconner là, c'est hyper bas. Comme ça, c'est le max, hein. Hop, on enlève tous les traits bleus qui sont horribles. Non, ça c'est pas un trait bleu horrible. Voilà. Et c'est bon. Alors, je vais peut-être bricoler un petit peu ta tête qui est toute biscornue. Ok. Un peu mieux. Et ce museau, il est pas mal en fait, il est marrant, un peu cassé comme ça là. Ça me va moi. Hop. Maintenant, je vais mettre la petite ombre. Voilà. C'est bien là. De face, de profil, et ah mince, il faut que je te fasse les fleurs. La bonne idée d'avoir ajouté des fleurs sur le kimono. Alors. Non, tous les calques. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Et du coup, bon, bah, je vais les mettre un peu au pif, hein, comme tout à l'heure. S'en fout au final. Voilà, et dans les parties de l'ombre, je vais défoncer un petit peu les fleurs. Voilà, pas mal. Pas mal, pas mal, ce petit chat. Je vais essayer de faire du coup le. Oups. Je. Oui.
Ouyoyoyoyoyoy. Voilà ce que je vais faire. Je vais tout fusionner. Ça aussi. Et là, hop, je vais supprimer. Et c'est ici. Voilà. Ah mince, j'ai supprimé les prénoms. Bon, c'est pas très grave. Ah, quoique. Quoique. Hop, maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ça. Tac. Non, je peux le coller au même endroit. Voilà. Retourner. La bonne vieille astuce. À l'ancienne. À l'ancienne, mon pote. Ah, pour ceux qui n'ont pas vu, je sais plus où je l'ai dit, je sais plus à qui je l'ai dit, et je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai commencé à mettre les rediffusions sur YouTube pour pas les perdre, parce qu'elles restent avec un temps, enfin elles restent pas à un temps indéfini sur Twitch. Et j'avais pas envie de perdre les traces de la fabrication du jeu, parce que je trouve ça marrant. Donc en gros, je suis en train de télécharger les vidéos petit à petit de nos créations. Et je suis en train de les ajouter sur YouTube en rediffusion. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Alors forcément, les premiers lives, je suis un peu moins à l'aise que maintenant. Évidemment. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, quoi, de voir le début. Et je ferai ça aussi avec les comment le let's play de Zelda. Mais je crois que j'en ai parlé, je me souviens plus. Oh là là, la mémoire. Hop. Et voilà, il me manque plus qu'à rajouter la queue, la vieillesse, ce fardeau. J'irai pas jusque là quand même. Je suis pas vieux, oh. Mais oui, je me souviens plus de tout ce que je raconte dans les lives, donc ça se trouve que je l'ai déjà dit. Bon, en tout cas, vaut mieux le dire deux fois que qu'une seule. Hop. Alors, ah, c'est ça le souci, c'est que là, ici, elle est un peu haute en fait, la queue. Ça va être chiant, ça. Je vais la baisser, je vais la mettre par là. Et puis celle-là aussi, du coup, par la même occasion. Je vais la baisser au même niveau. Parce que je me disais tout à l'heure, je me disais ça fait queue de singe, mais en fait c'est normal parce qu'elle était trop haute. Voilà. Non, c'est Son Goku ce chat là. Hop. Voilà, je pense qu'on est bon du coup pour ce personnage-là. Qui me plaît bien, que je trouve pas mal. Il est très chou. Je suis content qu'il te plaise là.